Eh bien, salut tout le monde, c'est Blon. On se retrouve pour une nouvelle découverte consacrée à The Collider 2, donc le chiffre 2, bien sûr. Alors, nous avons les options, je pense que c'est bon. Ouais, je me suis mis au gamepad. Là, on est bon. On est bon. Voilà. Le jeu est compatible VR, donc vous pouvez jouer à ce jeu. Donc en VR, c'est même fortement conseillé puisque c'est un jeu VR de base. Donc voilà, on est parti. Donc c'est compatible SteamVR, hein, et je crois qu'Oculus aussi. Donc voilà, let's go. Tutoriel. Ah bah ouais, pourquoi pas. Yes. Oh putain. Avoid obstacles. C'est un peu long à se déplacer à la manette, je trouve, mais ça va, sinon. Donc en gros, je dois récupérer les points sans me vautrer, enfin les points, les machins jaunes, là. Donc voilà, hein. Pick up credits and power up. Oh putain. Ok. Collect alien artifacts. Donc évidemment vous avez plusieurs vues, là on est en vue externe quoi, et vous avez la vue interne forcément qui est donc conseillée en mode VR forcément. Ok, ça tire tout seul. Oh super. Oh. Oh putain. Un shield. Use boost to get through. Ah. Oh putain. Oh putain de merde. C'est bon, on a réussi le tuto, les gars. On est passé level 2 apparemment. Et on a gagné pas mal de points. Alors, à quoi servent les points? Je vais vous montrer. Vu qu'on en a gagné, c'est parfait. Les souris, là. Y'a pas moyen de la planquer. Oui, non. Bon. Alors, avec les points, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans le hangar ou faire des upgrades. C'est quoi, ça? Ok. Donc, au plus vous montez de level, au plus vous avez de multiplicateurs. Donc au niveau du hangar, vous voyez, on peut choisir la couleur du vaisseau. Hein. Là, regardez, je vous montre un peu. Nous, on va prendre celle-ci, tiens. Attendez, on a assez de points. Ouais, on a 693. Le problème, c'est si on fait ça, on n'aura pas de... n'aura pas d'upgrade. Mais bon, on s'en fout, la couleur d'abord, hein, bien sûr. Voilà. Ah. Là, vous voyez, c'est les upgrades. Donc, pour 500, on peut avoir un shield, un bouclier ou un boost. Et après, bah, plus ça va, plus ça augmente, bien sûr. Purée. Évidemment, le vaisseau se transforme. Voilà. Donc, voilà, dans les upgrades, est-ce qu'on peut pas prendre un petit truc quand même? La magnète, nanana. Alors on va prendre le shield. Ok. On va prendre ça. Et ça. Et ça. Bah soyons fous. Hein. Nous allons prendre encore un petit coup de shield. Voilà. Et c'est parti. Du coup, nous allons en mode mission. On a deux modes a priori. Le mode mission. Donc on va avoir des missions. Et le mode survie. Donc. Suppose qu'on doit tenir par rapport aux vagues. Malheureusement, on pourra pas le faire parce qu'il faut être niveau 8. Alors, c'est parti, le secteur 1. Hey, let's go. Alors, toujours le même problème avec les jeux VR. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'affichage complet du HUD. Parce que normalement, il faut tourner la tête. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Caution. C'est pas ça! C'est pas ça que j'aimerais bien savoir. Déjà, il n'y a pas assez de. Attendez, ce qu'il faudrait, c'est que. Alors, on va retourner au menu. Oui, c'est l'anarchie un peu cette découverte.
En fait, ce qu'il faudrait, vu que je suis à la manette, c'est que je monte à mort la sensibilité parce que ça devrait aller vachement mieux, genre comme ça. Ça, je sais pas ce que ça peut faire. Donc voilà. Au pire, je pourrais essayer la souris. Donc on verra bien. Mais normalement, je pense que c'est mieux à la manette. Ok. Donc. On est reparti, hein. On va essayer de passer. Par contre, j'aurais bien aimé avoir, vous voyez, du gamepad. Mais le problème, c'est que vous avez pas les touches. Donc, je suis sûr, on peut faire des trucs, genre se pencher sur les côtés et tout ça. Je vais essayer. De toute façon, à mon avis, on va retrailler un bon moment. Ah bah déjà là, ça bouge vachement plus vite, hein. Genre, je fais ça, voyez-vous. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ouais, ça. Alors là, je peux. Ok, là, ça doit être le changement de vue. Donc là, on est en vue interne. Vous voyez ? Putain de merde. Donc on est en vue interne. Et donc, vous voyez mieux, forcément. Donc on a réussi la mission 1. Donc du coup, on a eu qu'un grade sur 3. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On va voir les autres missions, du coup. C'est parti. Ce que j'aimerais bien, c'est savoir si on peut. Ok, non, mais ça c'est le boost, bien sûr. Là, quelle intelligence. Voilà, voutrons-nous. Restart. Approuvons les améliorations, c'est valable pour un seul niveau. Donc là, si je me crache par exemple, c'est mort. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si on avait, si on pouvait se mettre sur les côtés, parce que je vous avouerai que c'est pas forcément oh, pas forcément pire. Watch out. Oh merde, il y avait le bout, je crois. Et en plus, on a du temps, bien évidemment, pour arriver au bout. Donc, faut se brouiller. On a réussi, on a réussi. Mais c'est chaud, hein. Franchement, c'est pas forcément évident. C'est basé sur le die and retry. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai fait restart comme un gros blaireau, je crois. Je crois que j'ai fait ça. Je suis désolé. Hop, bam. Donc évidemment, je joue sur PC, hein. Hop, 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 hop. Et voilà. J'en ai pas mal. En fait, en récupérant tout, vous montez du coup. On est pas mal, on est pas mal. Alors du coup, menu, on a combien? Je vais voir le nombre de sous qu'on a, voir si on peut pas prendre un truc intéressant. Au niveau du hangar, voyez, on peut augmenter le boost. Moi, j'ai un peu peur, quoi. Vous voyez, à 2500, faudra que j'achète celui-là et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, du coup, sur le vaisseau de base, c'est-à-dire celui-là, voilà, on va acheter ça. Voilà. Donc on est reparti. Ça. Mission ici. Let's go. J'aurais bien aimé des contrôles genre qui inclinent le vaisseau en fait. Ça, je crois que je serais mieux en vue interne. Je sais pas pourquoi, mais. J'ai loupé celui-là, c'est dommage. Alors je sais pas ce que ça fait ça, mais à mon avis, quand vous passez genre dans un décor, vous arrivez à passer au travers. Après, je sais pas trop. Faut vraiment que je pense au boost, hein. Mais c'est dangereux, vous voyez comment on va beaucoup plus vite et tout. Mission failed. Restart. Stand by. C'est
parti. Alors je pourrais... Vas-y, on va se mettre en vue comme ça. On va voir si j'y arrive mieux ou pas. Hop. J'ai toujours peur de faire une connerie, quoi. À combien de temps? Ah, en fait, faut juste détruire les machins, là. Ouais, c'est ça, en fait, faut détruire. Ok. Tu vas regarder 2 sur 11, en fait. Et on a de nouveau les shields de bien. Oh, putain. Et là, faut passer, mais... Ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais on va restart du coup. C'est vraiment chaud parce que tenir 30 minutes sur un type de jeu comme ça, c'est pas forcément évident. Enfin, tout en vous montrant de l'avancement, bien sûr. Parce que évidemment, je découvre avec vous, hein. Je me suis pas entraîné avant. Voilà. Je pense qu'à la souris, du coup, ça doit être plus optique. Enfin, je sais pas. Ok, celui-là, on l'a eu. Celui-là aussi. Et j'ai l'impression qu'ils changent tous les salauds. Hein. Pour pas que vous mémorisiez. Parce que je me rappelle pas être passé bien, du coup. C'est bon, il y a de l'avancement. Non. Oh, c'est dommage. Mission failed. Donc on va restart à nouveau. Est-ce qu'on gagne? Ah oui, c'est bon, on gagne. On gagne des récompenses même quand on foire. Donc c'est plutôt cool, hein, même si c'est pas grand chose. Il est assez chaud celui-là parce qu'en fait, faut juste détruire 11 cibles. Enfin, juste, c'est un grand mot tout ça, mais. Mais voilà, juste, hein. C'est pas grand chose, voilà. Ah, l'espace, ça vous gagne. On est plutôt pas mal. Bon, c'est après de toute façon que ça craint. Donc on verra. C'est con qu'il n'y ait pas une touche pour freiner. Donc faut pas booster trop. Oh mais non. Mission fail. Parce que vous voyez, parce qu'après c'est la merde pour diriger. Mais il faut forcément booster pour passer. Et si vous boostez trop, en fait votre vaisseau explose. A priori, c'est ce qui m'est arrivé au tout début, à un moment, là, tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Je peux dire en VR, je peux vous dire que quand vous êtes en full speed, ça doit être une horreur. Enfin, il y aura sensation de vitesse phénoménale, bien sûr. J'ai l'impression au plus j'en prends de bonus, au plus je vais vite. Hein. Bouclier. Allez, on y croit. Pour le moment, c'est bon. Ah, c'est ça, vous pouvez passer au travers en fait. Si on a réussi. Quand vous êtes en fufu. Et dis donc, on a les trois machins. Ah, franchement, bien la mission. Nickel. Donc on est à 1154. Mais attendez, ça, je me demande si c'est le total ou c'est juste dans la mission. Je vais voir, on est à combien réellement, genre, au niveau du hangar. 1402, vous voyez, c'est 2500 pour changer de vaisseau allemand qui a donc un boost.
Sinon vous pouvez personnaliser le premier. Donc je sais pas, je pense que c'est ce qu'on va faire parce que sinon on débloquera pas, on aura peut-être pas assez de sous pour débloquer un vaisseau. Ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le shield. Voilà, parce que le boost je trouve que je vais déjà vite personnellement, mais à mon avis on va en avoir besoin pour certaines missions, donc on verra. Alors mission mode, nanana. Parfait, c'est parti pour la raquette. Ah, ça va jusqu'à 1-9 en fait. Ah ouais, mais il y a plusieurs secteurs, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Il y a 6 secteurs en fait. Et dans un secteur, vous avez a priori 9 missions dans le premier. Après, je sais pas, on verra bien. Il faut 15 trucs comme ça pour débloquer le secteur 2. Donc ouais, ouais, il faut du retry à mort. Hein. Faut du retry à mort. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un timer? C'est un timer. Oh. Pourquoi c'est dur? Oh. Faut se brouiller avant que ça devienne... Moi je vous le dis. C'est bien, le gameplay est varié. Donc c'est plutôt cool. Ouais, je suis marre. Ouais, passer de haut en bas là, c'était un peu tendu. Donc on restart, puisqu'on a encore le temps. Et on reste. Il nous reste à peu près 13 minutes. Hein. Donc voilà. Pire si je meurs vraiment trop. je pense qu'on l'arrêtera un peu avant cette vidéo découverte. Mais voilà. J'ai été un peu taré. Mais ça passe. Hein. Ça passe. C'est bon. Oh. Ah mais celui-là, j'ai du mal à arriver là. À chaque fois, je sais pas pourquoi. Je stresse et ça ne passe pas. Stand by. Stand by. Let's go. Tac, tac. On va passer au milieu. On va chercher à comprendre. Parce que je suis pas à fond sur les pièces. Ce truc rouge me gêne à mort. Oh non mais là c'est tendu. J'ai trop de vitesse en fait pour passer de gauche à droite. Et comme vous avez pas de frein en fait, donc c'est qui tout double le turbo hein. Je rêve pas, ouais c'est ça, il n'y a pas de frein. Je rêve pas. Donc il y a plusieurs vues, hein. Il y a deux vues troisième personne. Je sais pas si j'ai montré les deux. En tout cas, je trouve qu'on est mis en première personne, on voit mieux. Bon, même si vous voyez pas les contours de votre vaisseau. Vite. C'est bon, on a réussi, comme quoi. Mission completed. Comme quoi tout passe. Il suffit de faire attention. Comme quoi tout passe. C'est évident. Alors, on va passer sur la mission 1-5 du coup. Oui, oui, nous on est des fous, on avance, hein. You're in position. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Collecter 13 machins. Ok. Donc ça, ok. Ne pas se foirer, eh bien collecter ces trucs-là. Voilà, et tout ira bien. Ok, j'en ai loupé un. J'espère que du coup tout ira bien. Oh! Bien passé. Juste, hein, mais je suis passé. Principal.
On est à 5 sur 13. Là, on a le 9e. Il m'en refait la même. En fait, quand vous voterez sur un truc, c'est vraiment pas évident de reprendre bien après. Oh, j'ai failli faire une grosse boulette. C'est vrai. Ah, il va falloir speeder. Enfin, pas tout de suite, mais il va falloir. Maintenant. Concentre-toi, bleu. Tu peux le faire. Donc on est à 10. Bien. Voilà. J'ai regardé à combien on en était et du coup j'ai pas fait assez attention. Si malheureux parce que j'étais plutôt bien parti là. Tu as l'air de rien, ça a l'air peut-être facile pour vous. En fait ça ne l'est pas. Hein. Je vous préviens tout de suite. Ok, donc là on a le temps à récupérer les bonus. Voilà. Tout va bien. Tout va très bien. Je crois qu'au plus on prend de trucs jaunes, au plus on va vite. Je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai l'impression. Ok, donc là, il va falloir passer les machins. C'est bon, ça passe. On a 13 sur 13, bon sang. Où est la sortie? Elle est là. Très bien. Allez, salut. Mission completed. Oh, c'est bon, on a les 3, j'ai géré. J'ai géré. Donc on est à 2026. Ah bah ouais. Ah mais du coup... Est-ce qu'on n'a pas... Non, on n'a pas 2500, c'est ça, hein. À tous les coups. Ah oui, si. Bah attendez, les loulous. Pourquoi pas... Ah, on peut pas. Attendez, c'est quoi ces conneries? Ah, faux, ok. Faut faire le secteur 2 d'abord. Ouais, sinon c'est trop cheat. Ok, donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre celui-là. Voilà. Plus de régène. Mieux si... On est reparti en mission, donc la 1-6 qui est un timer, puisque c'est marqué là en fait. Allez, c'est parti. Évidemment, au plus on va avancer, au plus ça va être horrible. Évidemment. Enfin, horrible. Ce qu'il est, quoi. Voilà. Oh, c'est un jeu de skill, hein, faut pas chercher. Ah. On est bon. On est bon. On est toujours bon. Tout va bien. 8 secondes. 4, 3, 2, c'est bon. Mission completed. Oh bon, je suis pas fier de mes récoltes. Mais sinon, je suis content de l'avoir passé. Alors, là, un set. Qu'est-ce que c'est? Les targets. Alors, on a x10, x... 14, 16. Ok. Donc, 16, on aura le maximum. Sinon, ce sera 10 au minimum. Let's go. Donc là, on prend notre temps. Caution. C'est moi. Shield stable. Carrément de la merde. Mm-hmm.
Bon. Ouais. Alors si j'avais pensé... J'avais pas vu ça comme ça. Là on a trop de vitesse pour le péter. C'est bon. On est à 10. Ok. 12. 13. Oh putain. J'en étais sûr. C'est dommage, c'est dommage. On restart. Ce sera sûrement la dernière. Ou l'avant-dernière. Je pense la dernière, au pire, ça finira un peu avant. Mais je pense que vous pouvez vous faire largement une idée du titre maintenant. Parce que le concept, c'est le même. Juste qu'il y a plus de pièges, plus de machins, plus de vitesse. Plus de tout. Oh, j'ai pas pris là. Ouais. Sinon tout va bien. Voir le bon côté des choses. Hein? Nous sommes à 6. On va faire celui-là. On va faire celui-là. Et on suit. Passer où en haut? Purée! Puis on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est. On est. Bah. On est. Purée. Ah oui! Oh là! J'avais pas vu que j'étais encore. Oh purée, j'ai trop de vitesse, j'ai peur. Allez, on est reparti. Là, ça va super vite en fait, donc forcément je peux enchaîner. Parce que si c'est bien la dernière. Alors, c'est prenant en même temps, c'est prenant. En musique, pas sensationnelle quand même. Dommage, tout le temps la même quoi. Je m'attendais à un peu plus de diversité, mais bon, au pire, ça se coupe. Vous mettez votre vraie musique à vous, et puis voilà, bah, ça. Enfin, votre vraie musique. C'est pas de la fausse musique, hein, attention, mais genre, vous mettez votre propre musique. Voilà. Ah, bah, après, c'est mes goûts perso, hein. Moi, je trouve que trop. Je peux pas m'arrêter là-dessus, je suis désolé. C'était moche. Et on est reparti. Let's go, let's go. Hey. Voilà. On est aussi. Oh. Je me fais peur des fois. C'est un truc de fou. Tu vois, je pouvais pas, hein, ou je prenais un mur en fait, donc j'ai choisi de pas le tuer, voilà. Évidemment, c'est le genre de gameplay que quand vous commentez, vous perdez mass skill. Faut le savoir. On va passer au middle, hein. Et bien au middle. Et bien. Ouais. Ouais, ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, c'est salaud. Voilà. Bon, bah voilà, les loulous. Nous, on va se laisser là. Donc, à vous de voir si le jeu vous plaît ou pas. Je pense qu'il devrait pas être trop cher à sa sortie. Vu que c'est un jeu indépendant de base, mais édité par l'équipe indépendante de Techland. Donc ceux qui ont fait... ils ont fait Techland. Ah bah ils ont fait les Dead Island, ils ont fait le dernier jeu qu'on a fait.
Dying Light, tout ça. Donc ça change un peu. Donc voilà. Allez, bye bye!